1 Corinthians chapter 10 verse 26. 1 Corinthians 10 verse 26. If we are there, can I hear a joyful amen? See, amen, I declare so. For the earth is the Lord's, and everything in it. 1 Corinthians 10 verse 26 est écrit, car la terre au Seigneur et tout ce qu'elle en fait. Amen. Clap for Jesus Christ. Acclame pour Jésus. The earth is the Lord's. Yes. The fullness thereof. La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle en fait. Are we connected? Sommes-nous connectés? Tell somebody, the earth is the Lord's. J'aime que la terre est au Seigneur. It's like some people are still sleeping. Are you sleeping? Est-ce que tu dors? Tell somebody, the earth is the Lord's. J'aime que la terre est au Seigneur. And everything that is in it. Et tout ce qu'elle en fait. The title of your message is The Secret of Advancement. Tell somebody, the secret of advancement. Le secret du message, c'est le secret de l'avancement. Dis ça à ton voisin. The secret of advancement. Le secret de l'avancement. Where are we? Où sommes-nous? Where are we? Où sommes-nous? Where are we located? Où sommes-nous localisés? We are located here on. Nous sommes localisés ici sur la terre. And the Lord said, this earth is his own. Et le Seigneur dit, cette terre lui appartient. Then, everything that is in this earth belongs to him. Et tout son contenu lui appartient. Are we not the winning team? Ne sommes-nous pas l'équipe gagnante? Yes. Écoutez. Are we not the winning team? Ne sommes-nous pas l'équipe gagnante? Okay. Okay. Every step you want to make, tout pas que tu vas entreprendre. Amen. Every step you want to make on this earth, tout pas que tu vas entreprendre sur cette terre. Nowhere, sache bien, that it belongs to God. Que cela appartient à Dieu. We belong to God. Nous appartenons à Dieu. It belongs to our kingdom. Ça appartient à notre royaume. You have the sense of ownership in you. Vous avez le sens de propriété en vous. Est-ce que vous comprenez? Just having the sense of ownership in your spirit. Juste avoir le sens de propriété. You will possess everything you are looking for. Vous allez posséder tout ce que vous cherchez. Am I talking about here? Remember, Satan is faking. Satan fait le faux. That he owns the things that are on earth. En disant qu'il est propriétaire tout ce qui est sur terre. He say he rules. Il dit qu'il règne. It's fake. Il est faux. Anything, whether whatever you want to acquire, I am telling you that Satan is there. Alors, tout ce que vous voulez acquérir, Satan est là. Satan is standing there. Satan se tient là-bas. Making sure that you should not get there. Rassurant. For you to get there, pour que vous y arrivez, you must serve him. Vous devez le servir. So, are you understanding something here? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Everything. Toutes choses. Be it job. Be it material. Matériel, whatever. Qu'importe. Satan is standing there. Satan se tient là. One thing that if you want to have that thing, you must serve him before you go to that thing. Avant d'aller à ces choses. But that is not what the Lord has said. Mais c'est pas ce que le Seigneur dit. When you want to get somewhere, lorsque vous arrivez quelque part, we must serve God. Nous devons servir Dieu. Are you understanding? Est-ce que vous comprenez? Because God already instead gave us these things. Parce que Dieu nous a donné ces choses. We were already given. Nous avons déjà reçu what ces we choses. Need is instead to be serving God. Alors, c'est qu'il y a, c'est qu'on devait servir Dieu. And living in these things. Et vivre. So when you are getting towards something, mais lorsque vous avancez vers quelque make chose, make sure your mentality is well fixed this way. Alors que votre mentalité soit bien fixée de cette manière. That as I'm getting to this matter, quand je vais dans cette affaire, as I'm getting to this job, quand je vais dans cet emploi, to this business, à ce business, there is already an adversary. Il y a déjà un adversaire. Already. Déjà. Fighting. Tout combat. But what do I do? Mais que dois-je faire? I know. Je sais. What I am going to get, it belongs to my father. Ce que je vais prendre appartient à mon and père. And he has already given me. Et il m'a déjà donné ça. And you, Satan, et toi, Satan, you must take off your hand from that thing. Tu dois ôter tes mains de ces choses. That's how you acquire it. C'est comme ça que tu acquiers ces choses. And you are moving forward. Et tu avances. When you are engaging
in something, lorsqu'on s'engage dans quelque and chose, and you don't have this mentality, et tu n'as pas cette mentalité, you want to discover, tu veux découvrir, Satan has already come and sit there. Satan est venu s'asseoir là-bas. Make sure he complicates the thing. Il sera celui qui complique la chose. You'll be thinking it normally. Tu vas prendre cela normal. Just the way other people think. Comme les autres pensent. I saw a man open a shop. He opened a company and he's moving well. Okay. J'ai vu un homme qui a ouvert une boutique, une entreprise, il avance bien. So I also go and open my own. Donc je peux aussi aller ouvrir la mienne. And he will move well. Et ça va bien avancer. You go and open. Tu t'en vas ouvrir. Without thinking. Sans penser. Without connecting spiritually. Sans te connecter. Without working out the spiritual environment well. Sans bien travailler l'environnement spirituel. Satan sits there. Satan s'assoit là. Something you know that is supposed to normally work. You start straining and straining with the toying and toying. Alors tu commences à stresser, and toying. À stresser, à stresser. Because Satan has come and sit there. Parce que Satan est venu s'asseoir là-bas. But if you have the mentality, mais si tu as la mentalité, that this thing, cette chose, that I want to take on, que je veux entreprendre, I know, je sais, God has already given me, Dieu me l'a déjà donné. But there is an adversary, mais il y a un adversaire, you begin to fast and pray. Tu commences à you jeûner, take some time in prayer, tu you engage prayer, tu engages la prière, and you want to see, you just get there like good morning. Et tu vas y arriver comme bonjour. Am I talking to somebody here? Quelqu'un m'entend-il? Clap for Jesus Christ. Acclamez Jésus. Want to do around you or away from you. Tout ce que tu veux faire pour toi ou bien make sure rassure-toi. La mentalité est fixe. Ta mentalité soit fixée. The earth is of the Lord. La terre appartient au Seigneur. And everything that is in it. Et tout ce qui s'y trouve. And that is the step that makes you always move forward successfully in Jesus' name. Voici le pas qui te fait avancer le plein de succès dans le nom de Jésus. We have got many cases where nous avons eu plusieurs cas où somebody is training on a matter. Quelqu'un s'efforce et il stresse dans une affaire. I just need to say it's well. J'ai juste besoin de dire tout va bien avec toi. I said it is well. J'ai dit tout va bien. That's over. Et c'est tout. The place open. L'endroit s'ouvre. You pass. Tu passes. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? What was stopping it? Qu'est-ce qui se passe là? Hein? What was happening? Qu'est-ce qui se passait? Satan stood there. Satan s'est tenu là. I will say it is well. Je vais dire tout va bien. See, the man don't just say it is well. L'homme a seulement dit que tout va bien. What is the meaning? Qu'est-ce que cela signifie? I was expecting this man to pray until I come and fall down. Je m'attendais à ce que cet homme puisse, à ce que ses yeux tombent. But he just said it is well. Mais il a juste dit que tout va bien. I just understand it. J'ai juste compris. The Lord has made me to understand. Le Seigneur m'a fait comprendre cela. I have already offered prayer. J'ai déjà offert la prière. I am telling you the end of prayer. Je te dis la fin de la prière. Why are you fighting for what has already been given to you? Pourquoi est-ce que tu combats ce qui t'a été donné? You don't fight. Tu ne combats pas. You fasting and praying. Toi qui jeûnes et prie. Is worshiping God. C'est adorer. Not because of that thing. Pas après ça. You're fasting and praying. Tu jeûnes et prie. To an activity is not because you are worshiping that thing. It is you are worshiping God and thanking God for already giving it to you. If you are fasting, oh Lord, give me this money, give me this contract, give me this business, give me this, and you all your mentality is that. Then you're fasting it because of that thing. You are wasting your time. Si tu jeûnes en disant Dieu Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, ton jeûne c'est juste parce que tu veux cette chose, tu perds ton temps. But your fasting is what? Mais ton jeûne c'est quoi? Lord, Seigneur, I just want to love you more and more. Je veux juste t'aimer davantage. I just want to give you glory. Je veux te donner I want gloire. To serve you more and more. Je veux te servir davantage. Father, strengthen me more and more. Père, I am already thanking you for what you have already given me. Je te remercie pour thank ce que you for giving me this job. Merci de me recevoir. Et c'est tout. You possess it. Et c'est comme what ça, man ça. Need to do ce que l'homme doit faire, is to serve God. C'est de servir Dieu. And not serving what you want. Et pas servir ce que tu veux. Never. Tu dois être. What man needs in life ce que tu as besoin dans la vie, is to serve God. C'est de servir Dieu. Worship Him. L'adorer. And not worship what you want in life. Et ne pas adorer plutôt ce que tu veux dans la vie. I will tell you another secret. Je vais vous dire notre secret. If Satan knows that you are worshiping the things you need in life, si Satan sait que tu adores la chose dont tu as besoin dans la vie, he will come. Il viendra. Jacking, remove him.
Il va tirer en lève. Il va tirer en lève. Il tire en lève. Il y a people that are fasting around the clock because of their business. Il y a des gens qui jeûnent tout le temps pour leur business. If you want to have one franc, you have fasted and fasted. Si tu vas avoir un seul franc, tu as jeûné jusqu'à. It's a wrong life. C'est une mauvaise vie. Let them should not distract you. Qui te distrait? Tell them they cannot distract me. Je te vois, ils peuvent pas me distraire. I am too big to be distracted. Je suis trop grand pour être distrait. Tell them again. My fasting and prayer to the Lord. Je te vois, c'est mon jeûne et ma prière pour le Seigneur. Is to worship Jesus Christ. C'est pour adorer Jésus-Christ. Honor Him. L'honorer. For what He has already done. Pour ce qu'il a déjà fait. For who He is. Pour ce qu'il est. That is our system of possession. Voilà notre système de possession. Anywhere you stand on earth, you begin to have this mentality. The earth is the Lord's and the fullness thereof. Partout où je serai, il faut avoir cette mentalité. La terre appartient au Seigneur et tout son contenu. What? Alors, qu'est-ce qui peut toucher quoi? It's that I don't have a leaf here. C'est parce que j'ai pas une feuille ici. Or like a tree. Ou un arbre. I would have shown you how Satan behaves. Alors je vais vous montrer comment Satan se comporte. He will come and attack. You see how the shake tree. Vous voyez comment le vent secoue les arbres. He will shake chakadada. You see the leaf. Il va secouer la chose sur la feuille. He stands. Et il se tient. And see whether you will shake too. Et il voit si toi aussi tu seras ébranlé. He will shake. S'il bouge. He will shake now the whole tree. Alors il va secouer. And when he shakes the whole tree. Il va se brûler. You will have more vibration than before. Tu auras plus de vibration qu'auparavant. Wait. They just shake a branch. Voilà juste ce petit branch. You vibrate. Tu vibres. So when they will shake the whole tree. Lorsqu'on va se brûler tout le monde. Hey ho. You must run. Tu dois fuir. And abandon the territory. Et abandonner ce territoire. Tell them, never. Dis voisin. When Satan shakes you. Lorsque Satan te prend. Momentum and stability. Rassemble plus de force et de stabilité. Résiste. Persiste. Move toward that direction. Avance dans cette direction. And they will give up. Et ils vont abandonner. Why will you see something shaking and you keep on moving? Why? There is an assurance. There's a kind of assurance in your spirit that somebody is defending you. Thing shaking cannot touch you. Pourquoi est-ce que tu vois la chose bouger et tu avances vers cette direction? C'est parce que tu as une assurance et que alors il y a quelqu'un qui te défend et rien ne peut te toucher. That thing will shake and pass in the air. Alors cette chose va bouger, passer dans les airs. Am I talking to somebody here? Quelqu'un m'attend ici? Clap for Jesus Christ. Acclame pour Jésus Christ. When you have this mentality, lorsque tu as cette mentalité, there is no way because even now the very things that belong to you. Mais maintenant, les mêmes choses qui t'appartiennent. Then you rally on. Alors que tu. You are instead fighting to instead use them. Alors tu combats plutôt pour les utiliser. Why? Pourquoi? Why? Pourquoi? The hand of Satan. La main de Satan. Why did the hand of Satan come there? Pourquoi est-ce que la main de Satan vient là? You lack knowledge. Tu manques la connaissance. You lack. Tu manques la connaissance. The only thing we need is to worship God. Tell somebody the only thing we need is to worship God. Worship Him in truth and in spirit. L'adorer en vérité et en esprit. And we begin to possess the land. Et nous commençons à posséder la terre. Amen. Amen. Rest up. Levez-vous. Tell us never. What we need is to worship God. C'est l'adorer Dieu. Give Him all the glory. Honor Him. Because He is God. And we begin to possess the land. That is our goal on earth. Please be seated. S'il vous plaît, asseyez-vous. For us know, to fully be in God. Pour être pleinement en Dieu. Be in position. Être en position. Of everything God has given us. De tout ce que Dieu nous a donné. God demands us to worship Him. Dieu nous demande de l'adorer. There are true worshippers. Il y a les vrais adorateurs. There are fake worshippers. Et il y a les faux adorateurs. You need to be careful there. Devez faire attention là-bas. Tell them about there are true worshippers. Dieu te voit, il y a les vrais adorateurs. There are fake worshippers. Et les faux adorateurs. There is another thing. There are pretentious worshippers. Il y a les prétentieux adorateurs.
Which category do you find yourself? Alors, dans quelle catégorie te trouves-tu? Are you a true worshipper? Es-tu un vrai adorateur? Are you a fake one? Es-tu un fou? Are you a pretentious one? Es-tu un prétentieux ou une prétentieuse? Which one are you? Dans quelle catégorie es-tu? But I want to first of all say something. Mais j'aimerais d'abord dire quelque chose. At the forefront of your head. Si ou à ton front. You are worshipping God because of something. Tu adores Dieu à cause de quelque chose. That is not true worship. Ça c'est pas la vraie adoration. Just worship God because He is God. Adore seulement Dieu parce qu'il est Dieu. And you are determined to serve Him. Et tu es déterminé à le servir. Whether it's good or it's bad. Alors que ce soit bon ou mauvais. Jesus Christ is Lord. Jésus Christ est Seigneur. That is the good worship. Ça c'est la bonne adoration. There are many people that cry on Sunday morning before coming to church. Il y a des personnes qui pleurent le dimanche matin avant de venir à l'église. Lord, Seigneur, I am praying for that job. Je prie pour cet emploi. You are not giving me that job. Tu m'as pas donné cet emploi. Is it that you are not alive again, God? Est-ce que c'est parce que tu n'es plus en vie, Dieu? Start crying. Some people organize cry in the house before coming. Certains organisent des pleurs à la maison avant de venir. Oh Lord. Oh Seigneur. That husband I asked. Ce mari que j'ai demandé. You have not given me yet. Tu ne l'as pas encore donné. Is it that I'm not beautiful or what is happening, Lord? Est-ce parce que je ne suis pas belle ou bien qu'est-ce que c'est Seigneur? That husband. Ce mari. If I send prayer request now. Si je donne les prières, les requêtes de prière maintenant. Comment tu as dit hier, les personnes vont prier. That husband, Lord. Vous allez voir ce que ça va prier. Ce mari, Seigneur. Another one. That business, Lord. I have not said you shouldn't pray for your business. J'ai pas dit de pas prier. You shouldn't pray for your husband. Ou de prier pour ton mari. No, that's not what I'm saying. C'est pas ce dont je parle. Please, s'il te plaît. Let all those things not be your main focus in life. Que toutes ces choses ne soient pas ton but principal dans la while vie. While you are worshiping God. La raison pour laquelle tu adores Dieu. There are some people I used to see there's a kind of experience. Alors, j'ai parfois une sorte d'expérience. They will go to a man of God. Il y a des personnes qui vont aller voir un homme de Dieu. For prophecy. Pour la prophétie. They come and sit. Et bien s'asseoir. If this man not talk about him, my job. Si cet homme ne parle pas de mon mari. He talk about this, my husband. Si ne parle pas de mon mari. He doesn't talk about this, my thing. No. Pas de ma chose, mais non. Man of God. No. Ce qui n'est pas homme de Dieu. It's no man of God. C'est pas homme de Dieu. Are you saying? Est-ce que now you begin to teach God. Mais là, tu commences à enseigner Dieu. What you are thinking might not be the source of your problem. Ce dont tu penses pourrait ne pas être la source de ton problème. It might not be where you have to resolve that problem of husband. Ça pourrait ne pas être là où il faut résoudre ce problème de mari. It might not be where they are hosting your business. Ça pourrait ne pas être là où on retient ton business. But you only want to hear that thing that is in your own heart. Mais tu peux juste écouter ce qui est dans ton cœur. And when the man of God finish speaking to you, et lorsque l'homme de Dieu finit de parler, say, come for prayer. Il vient pour la prière. I'll come. Oui, je vais venir. I'll come. Je viendrai. No matter what about this, my problem. Je vais parler de mon problème là. I'll come. Oui, je vais venir. Service now, which day? I'll come. Service quand? Oui, je viendrai. Why will Satan not send his agent to come and just directly tell you, toi, and propose their condition? You can have a problem. But the solution will come because you are not righteous. You have that problem because you are not righteous. God wants you to be righteous and let you go out of that problem. Alors tu as ce problème parce que tu n'es pas juste. Alors Dieu veut que tu sois juste et que tu sois hors de ce problème. And the man of God will just look at you. Et l'homme de Dieu va juste te regarder. Go and repent. Va te repentir. For it is well with you. Car tout va bien avec toi. No, mensonge. What kind of? C'est là le parole. The man is hitting with the problem. Hitting. Non, mais il est chaud avec ce problème. What is it? Your name is Anna. Mais ton nom. You stay in number this road. Tu as this is the problem you have. Parce que problème que tu as. If the man don't talk like that. Si l'homme ne parle pas comme ça. You will not be satisfied. Tu ne seras pas satisfait. But, look, a man of God will talk to you as God leads him. L'homme de Dieu va te parler tel qu'il est conduit par Dieu. Devil, a man of God will talk to you as God leads him. Comme Dieu le conduit. Just allow God to work. Alors laisse Dieu œuvrer. Why
Well, I keep on reminding you of the deliverance that took place. You hear, they say their agents now prophesy, their agents do it, their agents. No. Je vous rappelle des ones qui est suivi. They are there outside. Ils disent qu'il y a des agents qui prophétisent. Don't et be trapped. Ne soyez pas piégés. Don't be what? Don't be. Ne soyez pas piégés. Search to be faithful with God. Cherchez à être fidèle avec Dieu. As you go before a man of God, quand tu vas devant un homme de Dieu, Lord, Seigneur, if this be your servant, si celui-ci est ton serviteur, let your word come to my life. Que ta parole vienne dans ma vie. That is over. C'est tout. Amen. Amen. That is. C'est tout. Did you know something that happened to Solomon? Savez-vous quelque chose qui s'est passé à Salomon? Some women came to Solomon with a child. Certaines femmes sont venues envers Salomon avec un enfant. And said, Solomon. Et on dit Salomon. Resolve what's this matter. Il faut nous résoudre ce problème. Tell us who child is it actually. Dis-nous qui est la vraie mère de cet enfant. Two women, when the other one's child died. Alors l'autre, elle avait perdu son enfant et les deux sont venus avec un seul enfant pour connaître avec lui. Did you hear Solomon say that is your child? Est-ce que l'on a dit Salomon pour vous dire que c'est un enfant? Solomon followed the Holy Spirit direction and he gave an answer to them. Alors Salomon a suivi la direction du Saint-Esprit et leur a répondu. Solomon said, okay. Salomon a dit ok. You are arguing on this child. Vous argumentez cet enfant. You don't know who child it is. Vous ne connaissez pas qui est la propriété de la propriété. But your heart knows who child is. Mais vous connaissez qui est la propriété de cet enfant. Bring the child. As you are arguing on one child, comme vous argumentez sur un enfant, I will divide the child. Je vais diviser l'enfant. You will take your own part, another person will take his own part. L'autre femme, tu prendras l'autre partie et l'autre prendra l'autre moitié. Because Solomon wanted to see love for your own child. Salomon voulait voir l'amour pour l'amour. You will not want to kill your own blood. Tu ne vas pas vouloir tuer ton propre sang. You will not want to kill your own child. Tu ne voudras pas tuer ton propre enfant. And the owner of the child said, et la propriété de l'enfant a dit, that for you to kill my child, I know it's my child. Je sais que c'est mon enfant, au lieu de le tuer. When that child will grow up, lorsque cet enfant grandira, he must look for the parents. Il doit chercher son for enfant. Blood cannot make mistakes. Car le sang ne fait pas d'erreur.